Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Les nouveaux éléments devraient être installés pour la première séance d'essai libre. Voici le rapport d'usine. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour vivre le Grand Prix de Silverstone, ici en Angleterre, et vous le voyez, deux nouvelles évolutions techniques ont été installées sur la McLaren en prévision de ce Grand Prix. On va découvrir ce que ça donne avec tout de suite direction les premiers essais libres du week-end qui se disputeront sous un ciel bien nuageux. Bienvenue à Silverstone, siège de la course F1 de Grande-Bretagne, où nous nous attendons à voir bientôt apparaître les voitures sur la piste pour les essais d'aujourd'hui. Nicolas Martin, nous sommes dans un lieu magnifique aujourd'hui, mais qui a radicalement changé au fil des années. Que pensez-vous de Silverstone sous sa forme actuelle? Eh bien, l'ancien circuit était évidemment un vrai plaisir, mais j'aime bien le nouveau tracé. Le virage d'abeille redessiné est plus rapide qu'avant, et je m'étais toujours dit qu'il manquait une section plus lente et technique, et aujourd'hui les virages du village et du loop sont là pour ça. Alors oui, je suis fan. Et pour ne rien gâcher, je trouve qu'il y a plus d'occasions de doubler. Début des hostilités ce vendredi matin à Silverstone, je vous le disais, sous un ciel chargé, mais la météo sera clémente avec nous dans ce week-end anglais, puisque le ciel va se dégager au fur et à mesure des jours du déroulement de ce Grand Prix. Un petit point sur les évolutions de ce Grand Prix, puisque nous n'allons pas courir face à une IA au niveau expert, mais au nouveau niveau maître qui a fait son apparition et qui est situé entre le niveau expert et le niveau légende, de quoi relever un petit peu le challenge d'une saison qui était devenue un petit peu monotone de ce côté-là. Donc on a hâte de voir comment vont se dérouler les prochains essais techniques de recherche et développement ainsi que les qualifications pour la McLaren qui doit donc continuer son travail pour tenter de rester dans le coup et atteindre son objectif de placer les deux pilotes dans le top 10. De notre côté, l'objectif était simple, ramener trois Grands Prix dans le podium, trois podiums à l'issue des Grands Prix, et ça pour l'instant est en bonne voie puisqu'on en a ramené deux, dont une victoire lors du Grand Prix d'Autriche qui a été pour l'instant le point d'orgue de cette première saison au sein de l'équipe McLaren. On découvrira avant la fin des essais ce circuit de Silverstone en détail. Pour l'heure, vous voyez que la voiture est plutôt difficile à piloter, elle est très en retard à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on est ce week-end avec des pneus durs, les pneus médiums et les pneus hard, qui sont les compositions de gomme qui correspondent le moins au style de la voiture et qui la rendent donc bien délicate dans les courbes rapides, et il n'en manque pas ici à Silverstone. La découverte du circuit se passe de manière plutôt correcte, ça n'est pas exceptionnel, on ne rate que quelques portes malheureusement, puisque la voiture n'est pas encore réglée au mieux. On va continuer le travail, ce n'est que la première séance d'essai libre, mais il est important de participer à chacune avec un élément de recherche et développement pour tout simplement continuer à faire évoluer la McLaren. Les résultats de cette première séance d'essai libre avec Kimi Raikkonen devant Lewis Hamilton. Belle performance des équipes de tête au classement général. Rien de surprenant dans cette première séance d'essai libre. On passe tout de suite à la suite avec la FP2. Autant de nuages sur le circuit de Silverstone et on débute le tour. On va découvrir ensemble ce circuit désormais avec le premier droit qui se passe en relâchant, pour moi en 6ème vitesse. Je ne peux pas le passer en 7ème, la voiture n'a pas assez d'appui en courbe. On arrive dans un enchaînement droite-gauche à très basse vitesse qui remplace la section de bridge de l'époque, et on arrive sur la première zone de DRS de ce circuit, assez agréable puisqu'on peut en sortir très rapidement, vous le voyez. Mais la McLaren glisse encore beaucoup dans ce début de week-end. On doit gérer les pneus, 7 tours à couvrir. Un nouveau secteur ici. Et on revient sur l'ancien tracé qui coordonnait le virage de bridge qui est sur la gauche. Et ici, voilà le field et le loop désormais qui donne sur l'ancienne ligne droite des stands, ce qui explique le nombre incroyable de gradins sur la gauche. La vieille ligne droite de départ arrivée ici pour le droit de Copse, un droit très technique. On doit tomber deux rapports ou un, c'est selon. Ici on va en tomber uniquement un puisqu'on est dans la conservation des pneumatiques. On arrive sur un des enchaînements les plus célèbres du sport automobile, le Maggots, Beckett et Chappell, un gauche droite extrêmement technique qui va nous donner le point de deuxième zone de DRS juste ici avec la ligne droite des hangars qui donne sur le droit de Stowe, le droit de Stowe où en 99 Michael Schumacher s'était cassé les jambes. Et on arrive sur la chicane, un circuit de Stowe qui a un petit peu bougé cette portion-ci également depuis les travaux effectués
en 2011 et 2012. Vous voyez qu'on arrive à la fin de ce programme d'entraînement et on n'a pas été au top puisque vous le voyez, la voiture est un petit peu difficile à piloter, mais on s'en sort bien avec 75 points récoltés. Et au niveau du tableau, eh bien, on termine un petit peu derrière Fernando Alonso, mais sur les mêmes gommes. Donc on est plutôt dans la fenêtre que nous demande d'être l'équipe, avec devant toujours la confirmation des Mercedes, des Ferrari et surtout les Williams qui ont l'air d'être en forme. On quitte le vendredi et le samedi matin, dernière séance d'essai. Le but ici est d'être le plus véloce et on chose pour cela la composition de gomme la plus tendre, les pneus soft symbolisés par la bande jaune. Vous allez voir qu'avec ce niveau mètre, eh bien c'est un petit peu plus compliqué de tirer toute la quintessence de la voiture sur un circuit technique et ça devrait être aussi compliqué que ça lors du prochain Grand Prix qui se situera sur le Hungaroring à Budapest en Hongrie où là eh bien, ce ne sera que des enchaînements techniques à basse vitesse et la McLaren aura besoin d'évoluer. Les évolutions, c'est le moment d'en parler. Évidemment, on va continuer à faire évoluer cette voiture jusqu'à au moins Singapour. Et si eh bien, Stoffel décide de rester chez McLaren pour une année supplémentaire et tenter de jouer le titre, eh bien, on va arrêter le développement de cette McLaren pour se tourner déjà vers 2017 et arriver avec une quantité de points de recherche suffisante pour débuter très fort à partir de Melbourne l'année prochaine. On a déjà pas mal de changements qui s'annoncent pour la fin de saison, notamment la discussion du Grand Prix d'Allemagne avec l'arrivée probable du français Esteban Ocon chez Manor qui pourrait remplacer Rio Arianto. L'ouverture du DRS et vous voyez que les secteurs se passent bien. L'objectif est d'inscrire le 9e temps en 1.35.915 et la McLaren a beaucoup de mal, je dois beaucoup ralentir en entrée de virage. C'est un petit peu compliqué, vous voyez qu'en sortie, voilà, ça n'est pas la folie, la stabilité de la voiture qui pêche sur ce circuit de Silverstone, mais c'est parti pour nous avec ce qu'on a pu avoir comme évolution et on essaiera de corriger cela pour la Hongrie. Objectif bien évidemment atteint, les résultats de la dernière séance du samedi matin avec la confirmation de la bonne forme des Ferrari, des Red Bull mais surtout de Fernando Alonso qui en pneus soft eh bien, est le pilote le plus véloce. On va passer tout de suite à la séance qualificative qui risque d'être plutôt mouvementée. Bonjour, comment allez-vous ? On dirait que vous avez de la concurrence. C'est bien, comme ça les gens parlent de vous. L'essentiel, c'est que vous les battiez, ok ? Et nous sommes informés du nom du nouveau rival dans cette saison 2016. Sébastien Vettel sera le pilote à battre et il faudra eh bien, se cracher dans les mains pour réussir à aller chercher le pilote allemand. Bonjour, ça va ? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. Et l'objectif de ce week-end est d'entrer dans le top 10 en général et on va tenter de faire ça tout de suite. Bienvenue à Silverstone pour la séance de qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne. On a beaucoup parlé de l'usure des pneus ces dernières saisons. Certains disent que c'est un frein à la course, alors que d'autres estiment que ça fait partie du sport. Pensez-vous que les pilotes vont ménager leurs pneus ici, ou plutôt se jeter dans la course et s'en soucier lorsque le problème se posera ? Il faut une monoplace bien équilibrée pour répondre aux exigences de ce circuit et les écuries font beaucoup d'efforts pour tendre vers cet équilibre plutôt que de tout miser sur une caractéristique. Mais l'usure des pneus pourrait être un facteur important ici. Si les pneus lâchent, ce n'est pas la vitesse qui vous sauvera. Et préciser que les pneus lâchent est une chose intéressante. Rappelez-vous, il y a quelques années ici, avec les différents problèmes techniques, on a eu des conditions de pistes très difficiles depuis le début du week-end, assez fraîches, et cette fois-ci, eh bien, la chaleur va nous cueillir pour le fin de ce samedi de qualification. On entame justement cette Q1 avec les pneus les plus tendres afin de se sortir d'un guet-apens, puisqu'on a l'impression qu'on n'a pas la vitesse chez McLaren et on ne préfère ne pas prendre de risques. Et plutôt que de tenter de passer en pneus médium en Q2, on va directement monter les softs, vous voyez que nous y allons allègrement sur les vibreurs, il faut bien, pour tenter de faire tourner cette McLaren qui, malgré une adaptation du lest, eh bien, ne se porte pas mieux. On a également pris le temps de régler la voiture avant l'application des règles du parc fermé. Vous l'ignorez peut-être, mais les voitures qui s'élancent en Q1 dès leur première sortie sur la piste eh bien, sont bloquées et ne peuvent plus être re-réglées, du moins beaucoup moins que ce qui est autorisé pendant les essais du vendredi. Voilà, certains ne le savent pas forcément. Jolyon Palmer, le pilote britannique de chez Renault,
est en train de s'emparer du meilleur temps dans cette première séance qualificative, mais très vite Sébastien Vettel reprend les rênes. On attend une performance très impressionnante des Ferrari ce week-end qui sont très à l'aise. Les moteurs Mercedes devraient souffrir, on a pas mal de pilotes qui sont en bout de course de leur équipement moteur et on devrait peut-être assister à des casses pendant le week-end. Lewis Hamilton devant son public s'empare du meilleur temps de cette Q1. Quant à nous, eh bien, on va terminer notre exercice de tour rapide avec un chrono d'une minute 35 715, ce qui nous place provisoirement 3ème devant Julian Palmer. Mais au final, eh bien, ce sera une 8ème place juste derrière Fernando Alonso. Au niveau des éliminés, pas de surprise, si ce n'est Romain Grosjean qui s'est fait surprendre. C'est passé tout juste pour les Force India qui vivent un milieu de saison plutôt est techniquement difficile. La McLaren s'élance dans son deuxième run. Nous sommes en Q2, toujours le soleil au beau fixe ici à Silverstone et ça ne changera plus jusqu'à la fin du week-end. Blocage de roue dans les premiers S, c'est pas toujours simple de s'en sortir. Deuxième blocage de roue, vous voyez, et on est pourtant avec les pneus soft, hein, donc des pneus qui sont censés faire le premier relais de la course demain. Ouverture du DRS, une voiture un peu plus stable. On a tenté de changer quelques réglages en dernière minute avant de sortir en Q3. On va voir si ça changera quelque chose, mais il faut d'abord y accéder à cette Q3. Vous voyez qu'on est obligé pour la relance, puisqu'on ne peut pas adapter l'étalonnage de la boîte, et bien de repasser en 6ème pour le droit de Copps. La descente des rapports ici pour Magots, Beckett et Chappell. Nico Rosberg s'empare du meilleur temps pour l'instant. La deuxième zone de DRS pour Stoffel Vandoorne qui doit absolument sortir un chrono pour passer en Q3 puisque il faut aller chercher le désormais nouveau rival Sébastien Vettel, ce qui s'annonce une tâche beaucoup plus compliquée que battre Max Verstappen qui a eu pas mal de déboires lors des dernières épreuves. Quand même terminé sur le podium, hein, en Autriche, et on en conclut un nouveau tour ici avec désormais un chrono identique à ce qu'on a fait à peu près en Q1. Une 35-102 pour nous et le résultat est là, tout le monde passe sauf Fernando Alonso. C'est la mauvaise surprise pour McLaren qui pensait mettre ses deux voitures en Q3. Belle performance de Daniel Viat et de Carlos Sainz qui mettent les deux Toro Rosso en Q3. Cette Q3 justement se déroule avec un ciel un peu plus chargé en nuages, il fait un peu moins clair mais ça ne change pas fondamentalement le fonctionnement des pneus. On est de nouveau avec les pneus soft, donc on aura beaucoup consommé de pneus tendres. Deux stratégies s'offriront aux pilotes lors de ce Grand Prix d'Angleterre, soit deux stops avec un train de pneus soft pour démarrer, ensuite il faudra passer les médiums et enfin les hard, ou bien une stratégie avec un soft, un médium et deux soft. C'est une stratégie également possible, dans ce cas-là il faudra stopper trois fois, ça va être un peu plus compliqué, même si la différence entre les softs et les hards en fin d'épreuve peuvent être importants avec les réservoirs à vide. Le temps de Q3 de Stoffel Vandoorne est en train d'être réalisé pour l'instant, avec une piste de nouveau bien dégagée, il n'y a plus que 10 bolides sur cette piste de Silverstone, qui est un franc succès de foule. On voit que les tribunes sont bondées, avec quelques drapeaux à l'effigie de certains pilotes locaux, comme par exemple Lewis Hamilton, qui s'empare de la pole, boosté par son public. On espère qu'il pourra faire un beau résultat ce week-end, le Britannique, puisque la lutte, vous le savez, est très serrée en tête du championnat entre Nico Rosberg, Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton. Je vous invite, lors de la présentation du Grand Prix, à jeter un œil en bas à gauche de votre écran pour y découvrir les écarts en termes de points. Et c'est pour l'instant Raikkonen qui reprend l'avantage. Les Ferrari sont très véloces ici à Silverstone. Les Ferrari qui évoluent bien et qui pourraient créer la surprise, notamment en Hongrie, où le moteur est un petit peu moins performant, et pourquoi pas également les Red Bull. On a Max Verstappen et Ricciardo qui sont prêts à bondir. On va découvrir ça tout de suite. La fin du chrono de Stoffel Vandoorne, qui se classe deuxième à un petit dixième de seconde de Kimi Raikkonen. Très beau tour, très propre pour la McLaren qui s'en sort plutôt bien. La première ligne de ce Grand Prix sera 100% rouge avec les deux Ferrari suivis des deux Mercedes. Stoffel a su se hisser au troisième rang. Mauvaise qualification pour les Red Bull 6 et 10e. On se retrouve tout de suite pour vivre le Grand Prix. Bonjour, ça va? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. L'objectif est donc de battre Sébastien Vettel et de terminer 8e, mais ça va être visiblement compliqué quand on connaît la vélocité de la belle italienne.
C'est ici que tout a commencé. Le tout premier Grand Prix se déroula ici, à Silverstone, en 1950, avec Giuseppe Farina sur la première marche d'un podium entièrement aux couleurs d'Alfa Romeo. Ce jour-là, il gagna 9 points de championnat, ce qui le propulsa vers le tout premier titre. Et vous savez combien il en avait à la fin de la saison ? Seulement 30. Les temps ont bien changé. Voyons qui lui succédera sur le podium aujourd'hui. À cheval sur la frontière entre le Northamptonshire et le Buckinghamshire, Silverstone et ses 18 virages sont sur 5,7 km, une ode à la Formule 1. Le circuit a connu de nombreuses modifications au fil des ans. Le virage 1 est ainsi devenu la courbe droite rapide d'Abbey et deux zones de DRS ont fait leur apparition sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, mais la magie est toujours là. J'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui un homme qui connaît bien Silverstone, j'ai nommé Nicolas Martin. Je vous sens très impatient. Y a-t-il quelque chose que vous voulez me dire ? Oui, j'ai vraiment hâte de voir cette course. Décennie après décennie, il y a toujours eu une ambiance particulière ici au Grand Prix de Grande-Bretagne. Souvenez-vous de l'inoubliable course de 1986 et de ce coude à coude entre Mansell et Piquet. Courir à Silverstone a une grande signification pour un pilote et si vous regardez les spectateurs, c'est pareil pour eux. Pour ne rien gâcher, nous avons un plateau magnifique cette année. La compétition est serrée et les conditions sont réunies pour nous offrir une belle course. Je suis très impatient. Si on continue à ce niveau de performance, tu vas bientôt être promu pilote numéro 1. Il nous faut un bon résultat aujourd'hui. Nous allons à présent étudier la grille de départ. C'est Kimi Raikkonen qui part en pole position après son chrono sensationnel d'hier. Suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, une McLaren, Hamilton, Nico Rosberg et Ricciardo, Sainz, Massa, Kvyat et Max Verstappen, Hülkenberg, Alonso, Valtteri Bottas et Magnussen, Perez, Palmer, Romain Grosjean et Esteban Gutiérrez, Ericsson et Nasser, Rio Arianto et Pascal Wehrlein complètent la grille de départ. L'extinction des feux ne saurait tarder à présent. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Début de la mise en grille de ce Grand Prix d'Angleterre qui marque le terme de la première moitié de la saison. Il y aura encore la Hongrie avant de partir en Allemagne du côté d'Hockenheim. Attention, on ne peut pas se dépasser normalement. Christophe Van Dorn qui ralentit, qui va devoir laisser passer Sébastien Vettel. Voilà qui est chose faite. En tout cas, la grille est en train de se former, une grille plutôt atypique avec des Mercedes qui devront réagir rapidement face au Ferrari et peut-être que Stoffel Vandoorne pourrait tenter quelque chose avec les pneus soft dont il est actuellement équipé sur sa McLaren puisqu'autour de lui les pilotes sont partis en pneus médium, ce qui est une bonne surprise et ce qui explique également pourquoi on a pu avoir la McLaren aussi haut sur cette grille avec les pneus soft montés en Q2 alors que tout le monde était en médium. C'est intéressant de voir comment la stratégie des différents pilotes va évoluer. Ils sont déjà du côté de Cops, donc une grille qui va être à suivre avec la mauvaise surprise, c'est Williams qui habituellement très rapide sur ce genre de tracé a été plutôt en contre-performance. On espère qu'ils pourront se rattraper ce dimanche avec également une qualification classique. On a vu les Haas en milieu de peloton, les Force India, les Renault. Il n'y a pas eu de grosses surprises samedi. Les surprises peuvent-elles venir maintenant? On va découvrir ça d'ici quelques secondes, quelques minutes avec l'extinction des feux. On attend un départ assez fort. On a eu Stoffel Vandoorne dans l'interview avant le départ de ce Grand Prix qui nous disait que la McLaren sera très efficace en tout début de Grand Prix et qui ensuite, au fur et à mesure des changements de pneumatiques, on a prévu deux arrêts sur la McLaren. Au fur et à mesure des changements de pneumatiques, ça pourrait être de mal en pis tout simplement avec la dureté des gommes qui évolue de manière croissante. Les premiers pilotes viennent retrouver leur emplacement sur la grille de départ. On notera une piste très sale du côté droit. La pole position est à gauche puisque c'est là que s'est placé Kimi Raikkonen. Ce sera dans quelques instants sur la droite de votre écran. Les voitures reviennent mettre leurs roues sur l'emplacement qui leur est dédié. Et d'ici quelques instants, ce sera l'extinction des feux du 10e Grand Prix de cette saison.
Et c'est parti, on roule à Silverstone avec un excellent départ. Devant pour les deux Ferrari. Oh, derrière c'est un petit peu plus compliqué. Lewis Hamilton qui a réussi à s'infiltrer. Je me demande si la voiture de Ricciardo ne pourrait pas suivre. Van Dorn conserve sa troisième place. C'est difficile, on a une Renault qui est légèrement partie en tête à queue. Derrière, le peloton est déjà scindé en deux. On voit les Toro Rosso qui ont réussi à bien s'élancer également. Et derrière, Nico Rosberg qui tente de passer la deuxième des Red Bull. C'est côte à côte, il faudra aller voir ce qui s'y passe devant. Très bon envol pour Sébastien Vettel. Mais Van Dorn qui passe, Stoffel Van Dorn qui passe. Et derrière, on a une explication entre une Williams, Nico Rosberg et une Red Bull. Et la Williams qui semble s'être faite enfermée. On a donc en tête la Ferrari de Kimi Raikkonen. Devant Stoffel, Van Dorn. Et ensuite voici la bagarre pour la troisième place. Sébastien Vettel qui doit résister à Lewis Hamilton. Oh, qui a failli tenter de prendre l'avantage sur l'Allemand dès le droit de copse. C'était peut-être un petit peu présomptueux et prématuré. Pour l'instant pas d'abandon. Ça se passe bien dans les premiers hectomètres de ce Grand Prix d'Angleterre. On voit que derrière c'est la foire d'empoigne dans le fond de l'image. On a vu brièvement Nico Rosberg et je crois Felipe Massa en train de s'expliquer. Voilà Felipe Massa, alors qu'on est dans la ligne droite des hangars, qui conclut déjà la fin du tour. L'attaque peut-être de Lewis Hamilton qui s'empare de la troisième place du Grand Prix. Mauvais départ pour Sébastien Vettel, on l'avait dit. Les Ferrari qui doivent bien partir, sinon elles vont le regretter. Les Mercedes ont très envie de remonter et elles en sont surtout capable, mais pour l'instant, le meilleur allié de Kimi Raikkonen, c'est Stoffel Van Dorn, qui bloque un petit peu Lewis Hamilton. Premier tour couvert ici en Angleterre, avec Kimi Raikkonen au commandement. D'ailleurs, on a vu que c'était toujours très compliqué, l'explication entre Felipe Massa, la paire des Red Bull et des Toro Rosso, et Nico Rosberg. Ça continue d'évoluer. On a conclu donc le premier tour, je vous disais, au commandement Kimi Raikkonen. On embarque avec le pilote belge et on voit que Kimi Raikkonen, de par ses pneus soft, est à l'avantage. Pas encore de DRS dans ce deuxième tour de course. Évidemment, les chronos commencent à s'améliorer puisque c'est le premier tour effectué en départ lancé. Le moment peut-être de regarder un petit peu à la stabilité de cette McLaren en pneus soft. Ça a l'air de bien se passer pour l'instant, la McLaren qui s'en sort bien, mais qui n'est pas du tout techniquement capable d'aller chercher avec les mêmes gommes la Ferrari. Donc on va voir où Van Dorn peut terminer ce Grand Prix. Pour l'instant, un départ tonitruant comme annoncé en interview avant le Grand Prix, mais ça risque de ne pas tarder. Tour le plus rapide peut-être d'ici quelques instants pour Kimi Raikkonen, qui semble s'être bien détaché du pilote belge. À bord maintenant du museau de cette McLaren Honda. Honda qui s'apprêterait peut-être l'année prochaine à motoriser un deuxième team. A voir, mais il ne reste plus beaucoup de possibilités. Et c'est en 1.36 que Kimi Raikkonen inscrit le premier meilleur temps de ce Grand Prix d'Angleterre. Et ça revient très très fort derrière pour Lewis Hamilton. Et on nous propose de revivre le départ depuis la voiture de Felipe Massa. Il s'est peut-être passé quelque chose. On voit l'excellent départ des Mercedes. Mais derrière, Rosberg s'est finalement fait enfermer. Et ici, Massa est côte à côte avec l'une des Toro Rosso. Et on voit devant que c'est également tendu. Et la Red Bull qui ne veut pas lâcher. Rosberg qui finalement va se faire dépasser. Le contact entre les deux roues et des voitures. Et là, on est tous en pneus soft. Ouais, de nouveau le contact. La Red Bull ne veut pas lâcher. Et à l'extérieur, finalement, ça va passer. Et Massa qui va à l'aspiration peut-être aller chercher Nico Rosberg. Ouais, ils vont être à 3 de front. Ça, c'était très chaud. Et finalement, c'est Nico Rosberg qui s'en sort mieux face à la Red Bull. Massa qui attend un petit peu son moment pour essayer de s'engouffrer. Pas mal de poussière qui viennent se coller sur la caméra du pilote brésilien. Et ça, c'est le direct avec la Red Bull qui va attaquer Daniel Ricciardo. Et Massa qui est juste derrière la monoplace autrichienne. Rosberg est bloqué derrière ces deux pilotes, rendez-vous compte, alors que la Mercedes devant est en train d'aller attaquer Stoffel Van Dorn avec Nico Rosberg. Ce fut bref.
Retour avec Van Dorn qui doit résister à Hamilton très motivé. Et il doit passer Hamilton s'il veut faire fonctionner sa stratégie puisqu'il est en pneu médium et il perd du temps, le pilote britannique. Et tout cela permet tranquillement à bien à Kimi Raikkonen de s'évader, de s'échapper devant. Avec 3 secondes d'avance désormais pour le Finlandais. Vous l'avez vu au championnat, n'a pas encore tout perdu. De retour avec Felipe Massa, toujours avec la Red Bull devant lui. Est-ce que ça peut passer avec l'aide du DRS, le Brésilien qui se présente à l'intérieur. Et ça passe pour Massa à l'issue du premier secteur. Est-ce que Rosberg pourrait s'infiltrer? Oh non, la résistance de la Red Bull. Et oui, dans le droit, ça passe. Et est-ce que Rosberg va s'infiltrer? Non. Massa qui a été surpris et la Red Bull est repassée. Un peu plus loin devant, on est avec Van Dorn qui résiste à un Lewis Hamilton extrêmement motivé. Devant les deux Toro Rosso à l'explication ici. À la sortie du droit de Copse, les deux voitures chaussées de pneus soft qui s'expliquent. On ne se fait pas de cadeau là non plus et derrière on voit la voiture de Max Verstappen qui est un petit peu bloquée également. Oui, les mauvais départs qui doivent être réparés. L'aspiration et les DRS s'ouvrent désormais dans la ligne droite des hangars. On voit devant Massa qui va de nouveau tenter sa chance sur Daniel Ricciardo à l'intérieur dans le droit de Stowe. Et ça semble passer pour le pilote brésilien à bord désormais de la deuxième Toro Rosso. Et l'arrêt au stand pour l'autre pilote de la Scuderia italienne. Nouveau tour couvert sur le commandement toujours assuré de Kimi Raikkonen. Mais cette fois-ci, Hamilton est passé, on n'a malheureusement pas vu le dépassement, c'est dommage. On était sur une autre bagarre, mais Lewis Hamilton qui a trouvé l'ouverture. Dans les stands, premier pilote à observer un arrêt, c'est chez Toro Rosso et c'est le pilote espagnol Carlos Sainz. Va-t-il monter les durs ou les médiums? On monte des médiums sur la monoplace italienne. Donc on va voir tout de suite la différence de temps avec ses petits camarades du côté de Stoffel Van Dorn. On a l'attaque maximale avec les roues qui se bloquent évidemment puisqu'on va jeter le train de pneus à la fin de ce tour-ci. De nouveau sur l'aileron avant de la McLaren à la chasse de Lewis Hamilton qui n'est pas forcément plus rapide puisque avec l'aspiration, eh bien Van Dorn et ses pneus tendres peuvent peut-être mieux se blottir. Attention également au dévantage dans les courbes rapides. Et oui, Hamilton qui est rattrapé par Van Dorn qui semble avoir un second souffle dans ses pneumatiques ou alors il a tout simplement eu le feu vert de la part de McLaren de pouvoir taper dans ce train de pneus qui va être usé. Oh, attention, à la fin de ce tour. Et on va changer de stratégie du côté de chez McLaren. Vous l'avez sans doute aperçu en caméra embarquée. On va le revoir d'ici peu. Mais Stoffel Van Dorn va rentrer monter des pneus à bandes rouges, orangées, c'est-à-dire des pneus durs. Alors que ses petits camarades vont sûrement aller en médium. Mais ça lui permettrait peut-être en fin d'épreuve avec une voiture légère d'avoir l'avantage. On est prêt chez McLaren et ça plonge effectivement pour la voiture numéro 91 et ça plonge également pour une des Ferrari et c'est celle de Kimi Raikkonen, le leader qui s'arrête, laissant ainsi Lewis Hamilton au commandement de son Grand Prix national pour le plaisir des nombreux fans. Derrière, ça rentre aussi pour Felipe Massa, Daniel Ricciardo et je pense la deuxième Toro Rosso. Voilà, on remonte des pneus médium pour Kimi Raikkonen. Voilà, chez McLaren, on va découvrir les gommes qui vont être chaussées. On a des médiums chez tout le monde, à part chez Van Dorn. Et bien voilà, on va décaler la stratégie du côté de chez McLaren avec peut-être un arrêt un peu plus tardif en fin d'épreuve et des pneus plus frais. Ça créerait un joli décalage à surveiller donc dans cette épreuve. Et on relâche Julian Palmer des stands avec je crois également des pneus tendres. Et là ce sera donc une course à 4 arrêts pour le pilote Renault. L'autre Renault, tiens, celle de Kevin Magnussen qu'on avait vu brièvement depuis le début de ce Grand Prix. Telle explication avec Fernando Alonso. Assez serré entre les deux. Sixième tour de ce Grand Prix d'Angleterre. Vous voyez que désormais, la seule voiture actuellement en piste chaussée de pneus durs est bien celle de Stoffel Van Dorn. On avait cru monter les durs sur une des Haas, comme on le fait souvent. Mais ça n'a pas été le cas. Il est retombé au 16e rang, rendez-vous compte, devant Carlos Sainz, qui est passé devant Felipe Massa. Les Haas qui, tiens, on peut vous les montrer. Les Haas dans ce Grand Prix qui arborent une nouvelle couleur. On n'a pas encore eu l'occasion de les évoquer, mais là c'est surtout la perte d'une position qui semble être d'actualité pour la voiture 21. C'est Esteban Gutiérrez qui se fait doubler, non pas par un Mexicain mais par un Allemand, et juste avant les box, tiens, Nico Hülkenberg qui se fatigue à rentrer au box une fois le dépassement effectué sur la Haas. Et la Haas qui, je vous disais, donc arbore de nouvelles couleurs. On voit Romain Grosjean dans les box derrière avec Pascal Wehrlein, Riorionto
On a vu Magnussen et je crois Fernando Alonso. Voilà, ça ressort pour Valtteri Bottas avec les pneus médiums. On va opter également pour des médiums du côté de l'équipe indienne. Et on ne perd pas de temps, c'est tout juste. Et à ce même moment, eh bien, Stoffel Vandoorne passe devant le transpondeur chassé par Felipe Nasser qu'il vient de dépasser. Ah, drapeau jaune! Alors, drapeau jaune, que s'est-il passé sur le circuit? Et oui, semble-t-il, Felipe Massa aurait une crevaison. Massa qui venait de rentrer au stand pourtant. On l'a entreaperçu, Felipe Massa, avec cette sortie de stand. Mais... Et voiture de sécurité virtuelle déployée. Les pilotes doivent ralentir. Et s'il y en a certains qui passent aux abords de la pit lane qui n'ont pas encore ravitaillé, ça pourrait être une bonne pioche. Tiens, tiens, Felipe Massa, on découvre justement. Et bien voilà, la crevaison à l'avant-droit. C'est rare, mais ça arrive. On disait de surveiller les crevaisons, peut-être le début du calvaire que l'on avait vécu. Rappelez-vous, c'était en 2013 où les voitures avaient toutes eh bien, crevé leurs pneus. Ça a été chaud également pour cet homme, Kimi Räikkönen, qui mène le Grand Prix, mais qui regardait bloqué derrière Rio Arianto sous le régime de la Virtual Safety Car. On ne peut pas doubler, il faut respecter le Delta. Et celui qui est en train de tirer les marrons du feu, eh bien, c'est cet homme, Lewis Hamilton, qui, en plus d'être devant son public, eh bien, va ravitailler alors que les autres voitures ne sont pas en rythme de course. Et Sébastien Vettel également derrière, donc ces deux-là font la bonne affaire dans cette première partie de course. Et ils vont ressortir alors que les autres pilotes sont eux limités à une vitesse réduite. Le régime de voiture de sécurité qui va bientôt se terminer annonce la direction de course alors qu'on sort du côté de chez Manor et du côté de chez Haas. Et il restait voilà des pilotes qui devaient ravitailler. C'est Sergio Pérez qui se présente au monde des pneus. Attention, on perd du temps pour Pérez, ça va, il peut repartir devant Rio Arianto qui va également observer son arrêt. Le pilote indonésien dont le baquet est en péril, on vous le disait, Nasser, le pilote brésilien qui lui opte de nouveau pour détendre. Donc les voitures de fin de plateau qui vont opter pour 4 arrêts au stand. Et le pauvre Felipe Massa, voilà, enfin une image du Brésilien qui rentre petit à petit au ralenti avec 3 roues et demie. Et c'est course terminée pour lui. Et au passage, on notera l'absence de sponsors alcoolisés sur les voitures pour ce Grand Prix d'Angleterre. C'est une règle qui a été réinstaurée. Il manque également les sponsors chez Force India. Alors qu'un autre, une autre boisson alcoolisée sponsor quasiment titre de ce Grand Prix avec des panneaux sur certains ponts qui enjambent la piste. Allez comprendre cette loi. Bref, revenons au direct avec ben voilà, Felipe Massa qui finalement remonte lui des softs, donc on va être sur 4 arrêts désormais pour le pilote brésilien. Je pense que seule une safety car pourrait sauver son Grand Prix, sinon c'est terminé. On a désormais repris un rythme de course ici, vous voyez qu'on a encore perdu du temps, une seconde 20 pour Stoffel Vandoorne, ce qui explique ça, eh bien, c'est la virtual safety car. On est remonté au quatrième rang pour le pilote belge et désormais le relais le plus difficile est à effectuer, le plus long également avec les pneus durs. Ça ne va pas être facile. Un point également sur le classement au championnat avec donc Hamilton qui a repris la tête devant Kimi Räikkönen grâce à la voiture de sécurité virtuelle. Deuxième place donc pour Kimi Räikkönen. Troisième, Sébastien Vettel. Quatrième, Stoffel Vandoorne. Et cinquième, le leader du championnat, Nico Rosberg. Et tout cela pourrait basculer un petit peu eh bien, ce qui était prévu dans les petits papiers de l'équipe britannique. Attention, drapeau jaune dans le premier secteur et l'abandon de Carlos Sainz. Que s'est-il passé pour le pilote espagnol? Oui, il y a de la fumée qui arrive, on le voit au bout de la cabine. Là, on s'est levé et on, en se penchant un petit peu, on devine la fumée d'un bloc qui aurait cassé. Eh bien, décidément, entre les crevaisons et les casses moteurs, ça fait beaucoup d'abandon. On espère que ça ne va pas commencer à être une série. À drapeau jaune sur notre écran d'ordinateur. Et oui, effectivement, Felipe Massa qui casse également deux moteurs qui viennent de casser simultanément sur la piste de Silverstone. Eh bien Massa qui termine bien difficilement un Grand Prix qui était pourtant prometteur. Eh bien Williams qui devrait désormais se concentrer sur Valtteri Bottas. Attention, puisque les hommes de tête arrivent sur Massa qui était retardé. Et la voiture de Massa qui est arrêtée à la sortie du droit de Copse. Mais c'est terminé pour le Brésilien. Deux abandons coup sur coup. On n'a pas vu ce qui s'était passé pour Carlos Sainz. Oh, et le drapeau jaune qui perturbe un petit peu Stoffel Vandoorne qui va faire une petite escapade dans l'air. Bon, il perd beaucoup de temps. Le pilote belge, et oui avec les pneus durs en plus la voiture est très compliquée à soutenir en piste. À Vandoorne qui a perdu énormément de temps face à Nico Rosberg, plus de 3 secondes, 5, quasiment 4 secondes de perdu. De quoi permettre au pilote allemand, leader du championnat, de faire la jonction. Que c'est dommage ce qui s'est passé. Regardez désormais voilà dans la même image, Stoffel Vandoorne et Nico Rosberg derrière. On voit les deux Red Bull à l'explication aussi. Et il reste Valtteri
Bottas qui suit tout cela avec attention désormais puisque c'est la seule Williams restante sur cette piste. Attention puisque là la différence va se faire avec la performance moindre de la McLaren. Ajoutée à ça les pneus durs, et bien Van Dorn va vivre des tours difficiles dans les 10-15 prochaines minutes de cette épreuve. Je pense qu'avec l'aide du DRS, ça va être difficile de résister, même si on sait que désormais avec ces évolutions moteurs, la McLaren s'en sort bien mieux en ligne droite. Allez, on reste avec Nico Rosberg, on vit peut-être le dépassement de l'intérieur sur l'arceau de la Mercedes. Est-ce que ça peut passer? Oh, attention, il plonge Nico Rosberg et va réussir à s'emparer. Non, de cette place, Van Dorn qui va avoir l'avantage de la piste à droite. La résistance de Nico Rosberg, il passe à deux de front devant les anciennes tribunes et l'ancien complexe du paddock. Ouais, Van Dorn qui va en bord de piste là, mais ça résiste pour l'instant et il retarde l'échéance, Van Dorn, en se tenant à cette position. Les Ferrari 2 et 3e et derrière cette lutte pour le pied de podium, mais ça n'est peut-être pas terminé. Oh, et on voit ce qui s'est passé, voilà, pour Carlos Sainz. Ouais, il y a peut-être de l'huile même sur cette piste. On n'a pas vu de drapeau rouge et jaune agité, mais voilà, le moteur qui casse. Oh, et le panneau qui vient de voler, c'est le panneau 100 mètres. C'est un des plus importants, malheureusement. Est-ce qu'on va revivre ça? Voilà, en vue embarquée avec Carlos Sainz. Et voilà, bouillie de biel pour... Le pilote espagnol, il avait tenté le coup en rentrant plus tôt, de faire une stratégie décalée, ça marchait plutôt bien, il était en lutte pour les premières places, mais ça ne suffira pas. Attention dans la ligne droite des hangars, Nico Rosberg peut-être en train d'attaquer, il va aller chercher Stoffel Vandoorne à l'extérieur avant le droit de Stowe, et ça passe avec l'aide du DRS, le pilote allemand qui s'empare de la quatrième place de ce Grand Prix. Et pour l'instant, pas d'évolution au classement à part ce changement actuel. Les pilotes qui se tiennent à quelques secondes, mais pas de grosse attaque en vue dans les prochaines secondes. Et désormais, voilà Nico Rosberg qui s'empare de la quatrième place de ce Grand Prix. Utilisez le DRS pour le dépasser. Et oui, Stoffel Vandoorne qui sera titulaire du DRS désormais, mais je ne pense pas qu'aller rechercher Nico Rosberg soit un objectif viable. On voit derrière Max Verstappen à la lutte avec Ricciardo. Meilleur tour en course pour Nico Rosberg qui continue d'attaquer et de cravacher pour revenir sur les hommes de tête. 10,3 secondes. Et on continue de donner les informations à la radio pour que Stoffel Vandoorne puisse en sortir. Oh, le double blocage de roue, c'était limite. Dommage qu'on ait changé de point de vue. On retourne sur une partie un peu plus éloignée de ce tableau. On est en dehors des points avec les deux Force India qui se battent. Vous êtes avec Nico Hülkenberg qui chasse son coéquipier, pardon, Sergio Perez. Avec l'aide du DRS, peut-être le switch de position entre les deux voitures. On est sur la même composition de gomme, même stratégie pour les deux voitures. Et retrouver les deux voitures à ce stade aussi proche, eh bien, c'est que les stratégies fonctionnent bien. Elles sont identiques. La caméra qui a perdu un petit peu de fréquence là. On a eu un petit saut d'image qui n'arrive plus depuis de nombreuses années, mais ça arrive quand même de temps en temps, des petites pertes de réseau. Alors oui, on évoquait en début de retransmission, eh bien, les Haas qui arborent désormais des couleurs plus américaines. Je vous en parlais il y a quelques Grands Prix, eh bien, c'est désormais fait. La livrée a changé, le gris foncé a laissé place au bleu, ce qui donne des couleurs un peu plus françaises pour les fans de Romain Grosjean, mais surtout un peu plus américaines. Et l'explication avec l'attaque de Max Verstappen qui, je crois, va s'emparer. Non, c'est Ricciardo, pardon, décidément il est temps que cela fasse évoluer leur casque. Parce qu'on ne voit pas très bien la différence entre le 3 et le 33. En plus, sur le capot
avant des voitures. En tout cas, eh bien, c'est Daniel Ricciardo qui s'est emparé de la place de son compatriote chez Red Bull. Son comparse plutôt, puisque son compatriote, ça n'est pas le cas. Ils vont pas non plus être australiens tous les deux. Sinon, ça nous promet des chouis sur le podium à ne plus quoi avoir de quoi mettre dans les chaussures. Hein. La tradition désormais en Formule 1 lorsqu'un Australien l'emporte. En parlant de pilote australien, on a noté également la retraite annoncée de Mark Webber. Et Mark Webber, l'ancien pilote de Red Bull, qui a bien réussi sa transition chez Porsche en endurance, laissant sa place à certain Daniel Ricciardo, qui s'en sort également bien cette année. Et qui, pourquoi pas, pourrait ici faire un beau résultat de nouveau avec son coéquipier. Mais Verstappen ne l'entend pas de cette oreille. Alors si le Néerlandais peut mieux ressortir de ce virage-ci avec l'aide du DRS, il pourrait s'emparer de la place que vient de lui subtiliser au tour précédent son compagnon d'équipe, oui. Et Verstappen, qui est autoritaire avec malheureusement l'aide du DRS, ce n'est pas du dépassement naturel, mais s'empare de la place de Daniel Ricciardo. Très belle lutte entre eux, les deux monoplaces autrichiennes. Retour sur Stoffel Vandoorne dans le 13e tour de ce Grand Prix d'Angleterre. Nous sommes à mi-course, ça y est. Il y a de la bagarre finalement maintenant entre équipiers. On voit que ça s'explique entre pilotes Red Bull, mais également entre pilotes Sahara Force India. Et Hülkenberg qui n'a toujours pas trouvé la solution sur Perez. La différence est de 12,3 secondes. Il chausse des pneus médium usés. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1 minute 36,5. Et on demande beaucoup d'informations du côté de Stoffel Vandoorne à l'ingénieur. Beaucoup de discussions. Depuis que la réglementation sur les limitations radio a changé, eh bien, ça va beaucoup mieux. Et l'arrêt au stand de Nico Rosberg qui va chausser les pneus hard, les pneus durs pour le pilote allemand. Et Rosberg effectivement qui a monté les pneus hard désormais. La salve de ravitaillement va commencer pour les autres pilotes. On est à bord d'une Haas justement. Et c'est je crois Romain Grosjean qui revient sur Esteban Gutiérrez. Qui s'est fait dépasser. A voir où on en est dans les stratégies de boxe. On est quatrième, Vettel est devant toi. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 12,9 secondes. Il chausse des pneus médium usés. L'écart avec la voiture de derrière est de 2,8 secondes. Chose des pneus médium usés. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 3 tours. La fenêtre ouvre dans 3 tours. 12 tours restants. Et bientôt la fin du calvaire pour Stoffel Vandoorne. Il va rentrer chausser des pneus qui vont être bien plus adaptés à sa voiture et qui va être un changement radical de comportement. Vous voyez qu'au niveau de l'usure des pneus, on est à 45% sur le pneu avant gauche. Le pneu le plus mis à l'épreuve ici, même si sur la voiture de Felipe Massa, eh bien, c'est le pneu avant droit qui a crevé. On avait un peu peur du début d'une série comme il y a quelques années. Et ça continue. Pas d'arrêt encore pour Lewis Hamilton. Par contre, derrière, peut-être un undercut pour Kimi Raikkonen qui n'était pas si près que ça de Lewis Hamilton. Alors évidemment, le changement de stratégie pour Stoffel Vandoorne pourrait être positif dans un sens dans sa lutte avec Sébastien Vettel parce que chausser des pneus les plus tendres en piste, eh bien, il pourrait avoir un certain avantage et réaliser le meilleur tour en course. On va suivre ça. On voit ici Stoffel qui conclut un nouveau tour, toujours avec ses pneus hard. Pas d'arrêt prévu, ça devrait rentrer d'ici 2 tours pour le pilote belge. On voit derrière Max Verstappen qui remonte. L'arrêt par contre pour l'équipier de Stoffel Vandoorne. Il y a beaucoup de monde dans la pit lane, il y a même des pneus en plein milieu de la voie à déplorer malheureusement. Alors on s'est arrêté donc pour Valtteri Bottas, dernière Williams en course. Daniil Gyat, dernière Toro Rosso en course. Il y a Fernando Alonso également qui est juste derrière ce duo. Tu es à la troisième place, troisième. Vettel devant. Notre retard sur la voiture de devant est de 14,3 secondes. Il chausse des pneus médium usés. Notre avance sur la voiture de derrière est de 2,0 secondes. Il chausse des pneus médium usés.
Excusez, la fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 2 tours. 11 tours restants. Allez, Lewis Hamilton, qui va observer son arrêt, qui va monter ses pneus durs. On est prêt également chez Ferrari. Et ça repart pour Hamilton et Ferrari n'a toujours pas reçu son pilote. Ça y est, voilà. Sébastien Vettel, l'Allemand. Allez, qui repart. Ça s'est bien passé dans les box, dans cette pitlane pour Sébastien Vettel. Et attention parce que Van Dorn, du coup, va bien remonter, peut-être même deuxième. Où est Vettel? Et oui, Stoffel Vandoorne qui est passé devant Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, le Belge en tête de ce Grand Prix. Alors, ça n'est pas à la régulière, évidemment. Avec notre coéquipier, 37,5 secondes. Alors, évidemment, maintenant, il va falloir observer le dernier arrêt pour le pilote belge et monter les pneus médiums, de quoi assurer peut-être un top 5. Et il pourrait ressortir devant les Red Bull, à l'arrêt de la Haas, dont on peut observer les nouvelles couleurs. Et également les dégâts sur le ponton gauche, ça a frotté un petit peu. Et on remet un deuxième train de pneus médium sur cette voiture. Et je pense qu'on va observer la même chose du côté, voilà, toutes les voitures de seconde partie de peloton qui sont sur leur stratégie à 4 stops. Et ici c'est Pascal Wehrlein qui était à l'image et qui va ressortir donc avec un train de pneus tendres neuf. L'écart avec la voiture derrière nous est de 3,3 secondes. Ils ont de nouvelles gommes dures. Attention pour Stoffel Vandoorne de ne pas aller trop loin dans ce set de pneus là et en payer le prix fort. Il faudrait rentrer à la fin de ce tour peut-être. Regardez l'état des pneumatiques du pilote belge. L'arrêt est plus que recommandé désormais. Et oui, on ne va pas traîner chez McLaren. On a vu que par le passé, retarder un arrêt aurait pu être fatal. Donc on ne prend plus de risques. Le blocage de roue juste avant l'entrée dans cette pitlane et on va observer le retour donc de Lewis Hamilton au commandement de ce Grand Prix devant son public et surtout devant les deux Ferrari. Et seulement peut-être retrouver Nico Rosberg. Voilà, Hamilton qui est passé, Raikkonen qui va bientôt suivre, Vettel est passé. Voilà l'arrêt pour Van Dorn qui sera donc en pneu médium comme beaucoup de pilotes mais plus loin que lui dans le classement. Et on voit la deuxième Haas qui va rentrer, ce sera cette fois pour Esteban Gutiérrez. Et donc Rosberg qui est également passé avec les pneus hard. Est-ce qu'on va réussir à ressortir devant Max Verstappen? Ce serait une bonne pioche pour le pilote belge. Et à la sortie des stands, oui, Van Dorn est cinquième de ce Grand Prix avec les pneumatiques dont il est chaussé. Il est désormais assuré de ce résultat. Maintenant, ce qu'il faudrait espérer du côté de chez McLaren, ce serait que très vite une safety car se déploie et rapproche tout le monde. Et dans ce cas-là, Van Dorn n'aurait plus d'écart avec ses principaux poursuivants et pourrait, pourquoi pas, tenter le hold-up. Bon, ça n'est pas au programme. Regardez, on est avec Max Verstappen. On l'était, tout du moins. La première des deux Red Bull qui suit à quelques secondes. Stoffel Vandoorne. Ça semble ne pas être assez rapide. Pour le coup, les pneus durs des monoplaces de l'équipe autrichienne qui ne sont pas suffisants. Et regardez Vandoorne qui s'échappe. Assez dur à croire quand on voit la difficulté avec laquelle ils ont conclu leurs essais. Et bon, ils se sont bien récupérés avec les pneus tendres. Et les pneus médiums, finalement, fonctionnent peut-être pas si mal pour l'équipe de Woking. Dans les S, ici, regardez la stabilité qui est revenue. Pour Van Dorn, on est maximum attaque, on est en mélange riche également. Et on est peut-être en train de réaliser le meilleur tour en course pour le pilote belge. Ça n'est pas impossible, on y travaille. Et tout le monde est désormais en pneus durs, en tête. Et on annonce des difficultés à Stoffel Vandoorne pour Daniel Viat. La lutte derrière avec, voilà. Eh bien, l'undercut de Romain Grosjean sur son équipier a fonctionné. Mais est-ce que le DRS va aider Gutiérrez à récupérer la place de son compagnon d'écurie? Oui, c'est fait. Eh bien, voilà, Esteban Gutiérrez qui, malgré un arrêt un peu plus tardif, a su mettre ses pneus en température et créer la différence avec Romain Grosjean. Attention parce que ces deux voitures reviennent sur la dernière Toro Rosso en course et celle-ci a des problèmes. C'est ce qu'on a du moins annoncé à la radio de Van Dorn, et peut-être que d'ici quelques tours, quelques virages même, puisque ça va vite, eh bien les deux américaines vont pouvoir revenir sur la monoplace du pilote russe. On va suivre ça attentivement. Ah oui, il y a un problème là sur la Toro Rosso, elle est à l'arrêt complet. Je pense que dans la ligne droite, eh bien Gutiérrez va pouvoir tenter sa chance et passer à la relance. Voilà le DRS pour les deux monoplaces américaines. Est-ce que la Toro Rosso va résister? Je ne pense pas. Ça va déboîter d'abord pour, voilà,
Esteban Gutiérrez qui passe, est-ce que Grosjean peut s'infiltrer? Ah, malheureusement non. Romain qui va perdre du temps. On est à bord de la voiture du Russe. Qui fait pour l'instant une excellente saison malgré quelques difficultés, quelques mauvais résultats. Globalement, très belle performance de la part de la Toro Rosso qui est une des voitures qui a le plus évolué depuis le début de la saison avec Romain Grosjean désormais qui essaie à gauche, à droite. Ça y est, il va porter l'attaque. Et en plus, oui, on est chaussé de pneus plus tendres du côté du français et ça passe, et donc Romain Grosjean qui prend la place cédée par Daniil Kvyat. On est avec cette fois-ci les deux pilotes Red Bull. Oh, et ça va attaquer également et ça va passer au freinage de Stoll. L'échange de position entre les deux pilotes, c'est parfait. Ricardo à l'intérieur, est-ce que ça peut passer? Oui, Ricardo qui prend la place de Max Verstappen, tout ça au profit de Stoffel Vandoorne qui devant eh bien peut s'éloigner et garder un top 5. On est en lutte ici entre les deux monoplaces autrichiennes pour la 6 et 7e place de ce Grand Prix. Attention non plus à ne pas faire de bêtises. Une fin de course qui s'annonçait calme, mais finalement il y a de l'explication. On n'a plus vu à l'image les Force India qui semblaient avoir résolu leurs problèmes, mais elles sont sur notre écran de contrôle assez proche. On voit les écarts. Il y a une seconde et demie entre les deux, donc ça va peut-être également changer aussi entre les deux monoplaces de Perez et d'Hülkenberg. Attention, le retour peut-être au DRS pour la Red Bull. On suit ça avec la vue de l'hélicoptère dans la ligne droite qui mène à le field. Et ça revient, mais ça n'attaque pas. Ou peut-être, on sait, le pilote bouillant, le pilote néerlandais. Peut-être une attaque à venir lors du passage de Kops. Et magnifique vue aérienne de cette piste de Silverstone. Voilà, on revient à hauteur du sol. Et on entend le public qui donne de la voix. Et oui, il commence à se dire qu'il y a devant un Britannique qui pourrait remporter le Grand Prix. Après une stratégie bien aidée par la Virtual Safety Car due à l'abandon de Felipe Massa. On a vécu tout à l'heure, on rappelle, deux abandons. Felipe Massa sur casse moteur juste quelques secondes après. C'est Carlos Sainz qui l'a suivi. Oh, et ça ne pourra pas passer pour Max Verstappen. Peut-être, non, ça aurait été très présomptueux du Néerlandais d'aller infiltrer son équipier de la sorte dans ce droit très technique. On commence à décompter les tours pour les pilotes, puisqu'il ne va plus rester que quelques boucles dans ce Grand Prix d'Angleterre dont le final est assez incertain. On va revenir sur Stoffel Vandoorne devant peut-être pour voir, voilà où on en est. 22e tour de course. Quelques infos au sujet de Kvyat. Ils reprennent de la vitesse, ça veut certainement dire qu'ils ont arrangé leur problème. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 9,5 secondes. Et vous l'entendez, ça devrait aller pour Stoffel Vandoorne qui devrait ramener sans problème cette 5e place à la maison. C'est pas le cas par contre derrière des deux Red Bull qui sont extrêmement proches entre Ricciardo et Verstappen. C'est serré, et les deux Haas également qui ne se sont pas lâchés. Et Romain Grosjean qui, je pense, est toujours, voilà, derrière Esteban Gutiérrez avec le français désormais en caméra embarquée alors qu'il va rester moins de 5 tours de course. Va-t-on assister à un échange de position entre ces deux-là? Ça n'est pas impossible avec l'aide du DRS dans les derniers enchaînements. Et vous pouvez, voilà, pleinement profiter de la nouvelle livrée de la Haas. Allez, l'attaque peut-être. Romain Grosjean qui déboîte et qui va faire le frein. Voilà. Et on va éviter de s'accrocher chez Haas parce qu'on est en bonne position au classement. 12 et 13e. Ça paraît mauvais au global, mais c'est pas mal pour l'écurie américaine qui devance eh bien ses adversaires directs que sont Renault, Sauber par exemple. Et même devant, Force India va pouvoir faire quelque chose de plutôt correct. Retour sur les Red Bull Boys. À l'explication, Verstappen va peut-être porter son attaque dans la ligne droite Wellington d'ici quelques instants. Avec cette relance-ci qui n'est pas la meilleure que nous a offert depuis le début du Grand Prix le jeune néerlandais. Et ça se rapproche, mais ça ne sera toujours pas pour cette fois-ci. 24e tour de course. On retrouve Stoffel Vandoorne avec des pneus bien usés, mais qui iront au bout dans les S de Makotz, Beckett et Chappell.
7 dixièmes de retard. Vous voyez qu'on perd du temps hein, sur Van Dorn, les pneus sont en train de s'écrouler, mais 5 secondes quasiment d'avance sur Daniel Ricciardo. C'est en bonne voie pour le pilote belge. Devant, c'est également bien parti pour Verstappen qui est passé. Verstappen qui s'empare de la 6ème place, on ne l'a pas vu malheureusement. Je disais devant que ça s'est bien déroulé jusque-là pour Lewis Hamilton qui pourrait remporter son Grand Prix et ça ferait du bien au pilote britannique qui en a besoin au classement général face à Raikkonen et surtout à Nico Rosberg qui serait pour l'instant quatrième de cette épreuve. Et on retrouverait de nouveau les deux Ferrari sur le podium. Elles partaient en première ligne, ce serait une petite déception quand même de ne pas remporter le Grand Prix, mais on sait que sur un tour, eh bien, la McLaren et la Mercedes et la Red Bull sont derrière la Ferrari qui semble bien plus véloce en qualification. Avant-dernier tour de course entamé, vous l'avez vu par Stoffel Vandoorne, beaucoup de questionnements à la radio. Regardez l'état des pneumatiques du pilote belge, le pneu avant gauche ici qui a beaucoup souffert, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Mais bon, on reste dans les températures, on reste dans les performances de fonctionnement. Et regardez le temps qu'on perd sur Verstappen qui est en train de petit à petit revenir maintenant qu'il a réussi à s'extirper de son coéquipier. Le pilote néerlandais qui revient sur son voisin géographique. Explication typée Benelux là pour la 5ème place. Et on vérifie également d'être prudent avec les pneumatiques pour éviter les crevaisons ou les explosions. Voilà, on retourne avec Ricciardo à l'image à la poursuite de Verstappen. On ne sait pas qui va terminer devant l'autre également. On suit l'explication entre les Haas qui est toujours très tendu. Vous voyez que ça passe pas loin. Oh, Ricciardo qui va aller rechercher Verstappen, je pense, avec le DRS. Ça sera difficile de résister. Est-ce qu'on va aller à droite? Voilà, c'est fait. Ricciardo qui reprend la 6ème place à Verstappen qui ne peut pas se défendre sans DRS. Est-ce qu'il peut croiser le néerlandais? Eh bien non. Ça restera à l'avantage de Ricciardo. Il va rester une boucle pour réagir pour Max Verstappen. La dernière boucle a été entamée par Lewis Hamilton, toujours au commandement de ce Grand Prix d'Angleterre et qui va probablement le remporter. Vous voyez qu'au niveau des pneumatiques, c'est l'agonie pour ceux qui sont en pneus médium à 3 stops. À savoir Van Dorn et une autre voiture un peu plus loin dans le classement. Sinon les autres pilotes actuellement en médium, eh bien eux ont déjà effectué non pas deux mais trois arrêts. Et on annonce que c'est bien évidemment le dernier tour. Retour en fin de peloton, ou du moins en milieu de peloton pour la 12ème place entre Romain Grosjean, le français qui résiste à son coéquipier. Et voilà, ils entament également la dernière boucle de ce Grand Prix d'Angleterre qui sera plus que probablement remporté par Lewis Hamilton. Vous voyez que les banderoles ne manquent pas. Jenson Button, même s'il n'est plus présent, donne toujours de bons souvenirs aux fans dans les tribunes depuis que Stoffel Vandoorne a repris le volant de la McLaren. Sachez que oui, McLaren qui a fait une petite démonstration en début de Grand Prix, ce qui explique que Button était au volant de la McLaren de 2012, si je ne dis pas de bêtises, ou de 2011, à vérifier, mais il y avait pas mal de voitures qui étaient là. Les anciennes McLaren TAC Porsche d'Alain Prost et Niki Lauda notamment, et la M23 de James Hunt, c'était plutôt joli à voir. En tout cas, Nico Rosberg conclut de la meilleure manière son Grand Prix avec le meilleur tour en course, mais les lauriers seront sur les épaules de Lewis Hamilton qui remporte donc ce Grand Prix d'Angleterre devant les deux Ferrari de Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen. Beau travail, tu as été excellent, tu as piloté comme un chef. Grand Prix calme donc pour le pilote McLaren qui ramène un top 5 à l'issue de ce Grand Prix. Nouvelle victoire sensationnelle pour les Flèches d'Argent. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus? Cela montre une fois de plus que le collectif est important. Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout. Pour gagner, il faut également s'appuyer sur le talent du pilote. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Et les résultats de ce Grand Prix d'Angleterre avec la victoire donc de Lewis Hamilton devant les Ferrari. Mention honorable à Fernando Alonso qui termine finalement
9e, et Force India qui met le point de la 10e place. Bottas sauve également la face pour Williams avec la 8e place. En fin de tableau, rien à noter si ce n'est les deux abandons de Sainz et de Massa. Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes. Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui ? Selon moi, Pascal Wehrlein est incontestablement le meilleur pilote de la journée. Il a été incisif lors de ses dépassements et a pu appliquer une stratégie agressive. Il est parvenu à éclipser la concurrence. Nous passons à présent aux constructeurs. Mercedes creuse l'écart au sommet du classement. On espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péri... Il en est désormais terminé du Grand Prix d'Angleterre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette course. On se donne rendez-vous très vite pour vivre ensemble le Grand Prix de Hongrie sur le circuit du Hungaroring à Budapest. D'ici là, portez-vous bien et bon amusement en piste les amis. Et à la prochaine. Salut, ciao.